goes. 10 seconds. Stop. On a fait des petites études à Nice là-dessus, qui ont révélé qu'effectivement la carpe ça a amélioré nettement la péristaltique, si on la maîtrise, c'est toujours pareil. La carpe. Donc la carpe c'est ce mouvement-là. On va appeler comme ça parce que ça fait vraiment une carpe. Et c'est un mouvement qui est complètement passif, qui permet d'aller chercher de l'air sans utiliser les muscles. Parce qu'à un moment donné, les muscles des abdominaux ne permettent pas d'aller chercher plus loin. Si je fais ça, là je peux plus. À ce moment-là, j'arrête de forcer. Et avec une technique de sas, ici et ici, je permets à l'air d'entrer dans mes poumons sans effort. Et ça permet d'avoir la cage thoracique en surpression. C'est bon pour l'apnée statique et en profondeur, ça permet de pouvoir compenser beaucoup plus profond. Ça c'est l'apnée statique, on ne bouge pas et on essaie de rester le plus longtemps possible. Avant c'était de l'apnée qu'on faisait sous la surface de l'eau pour des questions de ne pas porter 15 kg de plomb à chaque fois qu'on s'entraîne et en plus des questions d'aisance, c'est plus facile de faire une apnée en surface. Encore, relâche. 4,40, 5,50. Ok, tu arrives à 6 minutes, tu peux sortir. Avec le sourire. À l'échauffement, on se tient par la main, et puis on se donne une petite pression comme ça. Hop, l'autre il répond. Et quand on sort, on fait deux fois, et puis on parle. Alors, le gars il sort, et c'est bon, pour moi il n'y a pas de problème, et l'autre il continue, puis il continue à lui faire la sécu. Et quand on fait un essai un peu plus poussé, on essaie de faire une perf à ce moment-là, soit on fait comme ça, mais il y a quand même quelqu'un en surface qui nous surveille. Tu passes à 10h30. Ouais. Donc soit tu l'as fait maintenant, soit tu l'as fait très près de ta perf. Très bien. Bien. Je prends pas dedans. Ok. Faut combien à peu près, à peu près 4. Bon là, c'est l'échauffement, il se prépare. Il va commencer à avoir des spasmes à ce niveau, dans son apnée statique. Les spasmes, c'est des réflexes naturels qui vont faire qu'à un moment, l'apnéiste a besoin d'air et naturellement, son corps va lui réclamer de l'air. Comme il n'y a plus du tout de mouvement de la cage thoracique et du diaphragme, le corps, c'est un réflexe, il va produire un réflexe pour voir ce qui se passe. Là, vous pouvez voir que ça commence tout doucement, il a des petits spasmes et petit à petit, les spasmes vont venir en grandissant. Ça, c'est ce qu'on appelle la soif d'air. Il y a un moment donné où tu reviens à la réalité parce que ton corps, tu as besoin de respirer. Et je dirais que l'apnée, elle commence là. Tu as passé tout ce moment-là de quelques minutes tranquilles où l'apnée, c'est vraiment le bonheur. Et après, tu as tout le côté maîtrise de soi. On passe par des étapes de souffrance qui n'en sont plus avec l'entraînement. C'est-à-dire que tu t'adaptes et tu arrives à accepter l'état de vouloir respirer. C'est une discipline où à un moment, il y a une sorte de lutte, une lutte plus ou moins agréable suivant l'entraînement qu'on a. Et il va essayer de s'approcher très près de ça, justement pour sentir la chose et pour savoir grosso modo, lors de la performance, à quelle heure il faudra qu'il sorte. Plutôt à quel moment il faudra qu'il sorte pour être toujours en pleine possession de ses moyens. En sachant que si la sortie se fait et qu'il y a perte d'intégrité physique, l'apnéiste est disqualifié.
Donc le jeu, c'est d'arriver à sortir dans une marge de temps qui permette de trouver un état de fraîcheur. Tu pars et tu dis, allez, je pense pas au temps, je pense pas au temps. En fait, le fait de faire ça, c'est déjà penser au temps. Donc l'oublier, c'est avec l'entraînement, avec l'expérience, c'est vraiment zapper, quoi. Le temps, à la limite, essaye d'y penser, t'y penses pas. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Allez hop, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Would it get some wind for the sailboat and it could get those forwarders? It could get the railroad for these workers. It could be a balloon, it could be Frank, it could be very fresh and clean, it could be. It could get some gasoline short as well. Get all these. Would it get some wind for the sailboat and it could get those forwarders? It could get the railroad for these workers. It could be a balloon, it could be Frank, it could be very fresh and clean, it could be. It could get some gasoline short as well. These are the days, my friends, and these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat and it could get those forwarders? Ces manifestations très spectaculaires que représentent les rencontres de plongée en apnée retiennent maintenant un petit peu plus l'attention des médias et nous allons continuer dans cette direction afin que le plus grand nombre d'apnéistes du monde entier puissent se rencontrer. 1 minute 30 seconds après le top, 1 minute 30 après le top officiel. Il existe encore une voie qui j'espère sera de plus en plus marginale, qui est la voie des records. Elle représente l'aboutissement d'une démarche personnelle parfois soutenue par un groupe, mais elle est introduite dans l'esprit du public par rapport à l'activité apnée, une espèce d'idée qui fait dire que l'apnée, c'est pour des supermen. Alors l'apnée, c'est à la portée de tout le monde. Le fait de s'adapter pour aller à 7 minutes, c'est bon, déjà c'est de l'entraînement, c'est sûr. Des adaptations du corps, il y en a un peu, mais c'est surtout un travail mental. N'importe quelle personne qui vient et qui s'entraîne un peu en apnée pendant un ou deux mois, qui fait deux, trois séances par semaine, il peut facilement arriver à être entre 3 et 4 minutes. Et les plus doués, même entre 3 et 5 minutes. Get into with the idea that hey, I'm going to bring you to the record, become famous, and make a lot of money.